C'est bon, ok. Bon, bonjour à, j'allais dire à tous, mais en fait, je veux dire à nos internautes qui nous regardent en direct, évidemment. Et bienvenue à vous. Et puis, vous, mesdames, puisque manifestement, j'ai un public essentiellement féminin pour les internautes. On a une demi-heure de présentation environ. L'objectif, c'est essentiellement de vous présenter, évidemment, l'événementiel à l'heure du 2-0 et de voir comment les événements peuvent aussi... finalement être viralisable et peut-on créer la valeur sur le digital et sur le web. L'objectif de cette présentation, une nouvelle fois sur une demi-heure, c'est de vous présenter notre vision au sein d'OPA. Très rapidement, OPA est une agence de communication audiovisuelle, événementielle et digitale qui existe depuis 1994 sous la marque OPA et depuis 1969 auparavant, nous appelions Groupe Ouest Audiovisuel. Nous avons changé de nom lorsque nous nous sommes développés sur Paris. Nous sommes 40 collaborateurs pour une activité d'environ 7 à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et notre métier, c'est l'audiovisuel et l'événementiel principalement. Je vous engage à regarder notre site, évidemment. On va commencer la présentation tout d'abord sur un constat. Puisqu'on parle d'événementiel, on parle de relations directes. Aujourd'hui, nous avons des personnes sur Internet, et une nouvelle fois, je les en remercie. Et aussi, vous êtes là physiquement. Ça veut bien dire que l'événementiel, c'est aussi une relation réelle, directe, mais aussi, possiblement, une relation qui peut s'enrichir, se démultiplier, se développer avec le virtuel. On dit, nous, que rien ne remplace la qualité d'une relation réelle, parce que si nous avons envie d'échanger ensemble, nous pourrions le faire à l'issue de cet entretien ou tout simplement en direct lors de réunions de ce type. Mais avec le virtuel, on peut aussi se développer, on peut aussi créer du lien. Vous pouvez actuellement tweeter, vous pouvez envoyer des posts, vous pouvez chatter si l'interface le permettait. Rien ne remplace la qualité d'une relation réelle et la relation réelle s'enrichit avec le virtuel. Le deuxième constat, c'est qu'à l'évidence, tout est désormais virtualisé. Il y a une virtualisation de nos relations. J'imagine que chacun d'entre vous avait des contacts sur Facebook, avait des contacts sur Twitter, avait des contacts sur LinkedIn, sur Viadeo, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et que l'ensemble de ces contacts forment votre e-réputation, ce qui n'entache en rien évidemment votre réputation auprès de vos amis ou de vos relations professionnelles ou personnelles. Donc, le tout numérique. Et le tout numérique se trouve aussi dans nos supports événementiels et doit se trouver aussi autour de nos événements. Le deuxième constat que nous formulons, c'est que le marché événementiel, ce qu'on appelle le MICE, pour l'ensemble des événements qui sont destinés à être distribués sur Internet et sur les voyages d'affaires, est réellement en forme. C'est un marché important. Plus de 8,5 milliards d'euros en 2014, suivant Coach Omnium. Ça veut dire que c'est un marché très important. Et ce marché-là, le marché du maïs, se démultiplie aussi grâce à l'Internet, grâce au 2-0, et nous verrons comment, pourquoi. Donc nous avons un public qui est connecté. Ce public connecté utilise l'ensemble des interfaces mises à sa disposition. Que vous connaissez, je pense qu'ici, nos internautes peuvent peut-être tweeter actuellement. Vous, en temps réel, vous pouvez transmettre de l'information. Nous avons un ensemble d'outils à notre disposition pour pouvoir échanger avec nos publics. Sans vous abreuver de chiffres, 61% des Français sont actuellement équipés de smartphones. Souvent, nos clients nous disent, on peut très bien créer une interface en événement, on peut très bien jouer avec ces supports, mais finalement, est-ce que mon public a, comme moi, un smartphone? La réponse est oui, il n'y a pas de fracture numérique, par ailleurs, en termes de socialisation des smartphones. Un foyer sur trois est équipé d'au moins une tablette. Donc, à l'évidence, la télévision connectée, d'ailleurs, est une réalité, puisque vous regardez... comme beaucoup de Français, la télévision tous les jours, qui reste le premier des médias, eh bien, on peut demander son avis, on peut chatter, on peut poser une question, on peut jouer avec des SMS. Et 80% des internautes sont membres d'un réseau social. Quand on est sur Internet, on joue avec les réseaux sociaux. Fort de ce constat,
l'événementiel doit pouvoir aussi jouer avec ces supports, ces interfaces. Le mode de consommation des médias interactifs fait que nous avons un usage fragmenté, c'est-à-dire que nous sommes sur le multi-écran. On appelle ça le multi-stacking, en fait. Tout simplement, on peut, quand on regarde la télé, on peut, quand on regarde un événement, jouer avec une application connexe et échanger, transmettre de l'information, donner son avis, poster, liker. Il y a un chiffre qui nous semble, nous aussi, assez intéressant, c'est que 53% des personnes qui regardent un programme télévisé en live via les réseaux sociaux jouent et travaillent avec une autre interface. On se rend compte lors des événements que souvent, lorsqu'on propose du multi-écran, il y a une forte proportion qui dépasse le tiers de personnes qui aussi jouent avec ces multi-écrans. En 2015, le public donne son avis. On a, nous, coutume de dire au sein d'OPA que votre avis a de la valeur. L'avis de nos publics, l'avis de vos publics en interne ou en externe a de la valeur. Mais il faut créer des stimuli distrayants. Il faut créer de l'appétence. Il faut donner envie de donner son avis. Puis on a aussi besoin de tester. En pré-événement, on le verra autour d'un exemple tout à l'heure, il faut aussi jouer avec cette forme de test, de jeu. En post-événement, on aura aussi envie de prolonger l'expérience. Lorsque je suis dans une opération événementielle, j'ai envie de regarder ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, éventuellement revoir une vidéo, ça peut être la vidéo synthèse, mais aussi un contenu enrichi qui soit complémentaire au contenu initial. Sur un exemple très très simple, vous pouvez très bien avoir un événement d'entreprise ou de collectivité, il y aura du direct, puis à côté, vous rechercherez sur Internet des compléments d'information à l'intervention d'un orateur qui s'est exprimé sur un sujet qui vous passionne. Donc là, il faut prolonger l'expérience. Quand on est fort de ce constat, le public donne son avis, a besoin de stimuli, a besoin de tester et veut prolonger l'expérience. Lorsque vous réalisez une opération événementielle, vous devez actionner ces quatre leviers. Encore quelques chiffres sur les médias sociaux, puisqu'on parle de Web 2.0. Les médias sociaux utilisés pour promouvoir les événements sont d'abord et avant tout Facebook, pour 84%. Puis après Twitter et après YouTube, suivant une étude qui date de 2013. Je pense qu'en 2015, on n'a pas eu d'autres statistiques, cette tendance sera confortée. Facebook est devenu un vrai réseau social partagé. Vous avez vu que la politique de Facebook d'ailleurs, c'est lorsque vous êtes sur Facebook, tout de suite de déclencher une vidéo. Dès que vous avez une vidéo qui est postée, on ne vous demande pas de la jouer, elle se déclenche tout de suite. Parce que la stratégie de Facebook, c'est de dire la vidéo est devenu le média premier. Et on veut prendre des parts de marché à YouTube, donc on va tout de suite activer. C'est une stratégie qui fonctionne. Il faut aussi jouer avec cette tactique, et on verra qu'il y a beaucoup d'événements qui sont relayés sur Facebook en direct. Encore un constat important, c'est que nous sommes tous émetteurs. L'entreprise est, on le dit souvent au sein d'OPA, nano-émettrice. Elle émet elle-même. Elle n'a parfois pas besoin d'acheter un média pour transmettre de l'information. On va prendre des grands exemples, mais quand Red Bull réalise un événement, il crée lui-même son média et arrive dans sa communauté à fédérer 1 million, 2 millions, 3 millions et demi, parfois, ça a été leur plus gros score, d'internautes qui regardent en direct ce qui s'est passé. Ils ne diffusent pas sur TF1, ils ne diffusent pas sur une chaîne de complément, ils distribuent en direct l'information. Mais ça peut être la même chose pour des événements privés plus petits. On a travaillé il n'y a pas très longtemps pour un ordre, l'ordre des experts comptables, et on a relayé en direct de l'information. Il y avait 1000 personnes sur cet événement, et à côté, il y a eu plus de 2000 personnes qui ont joué, connecté, qui ont regardé des informations complémentaires. Notre public, tout de suite, s'est démultiplié. Mais en même temps, on est tous émetteurs parce que moi aussi, je peux transmettre de l'information. Moi aussi, je peux dire ce que dit ce monsieur-là dans cette réunion, je ne suis pas d'accord. Donc je vais mettre l'information. Et en événement, il faut pouvoir canaliser cette source. Auparavant, il y avait un émetteur principal et puis des récepteurs. Maintenant, on est tous émetteurs-récepteurs.
ça veut dire aussi que lors d'événements, vous devez aussi avoir des publics et leur donner la possibilité de donner leur avis. Autrement, il va être frustré, votre public. C'est un constat général pour expliquer qu'effectivement, notre environnement s'est démultiplié, s'est enrichi. On a tout autour de nous un ensemble de plateformes très importantes. On fait, au bout de 10 minutes, une digression, mais qui nous semble importante. Il faut qu'on comprenne le fonctionnement de notre cerveau. Je ne sais pas si nos internautes ou vous-même avez déjà traité de problématiques liées au neuromarketing. Mais le neuromarketing, c'est la façon dont en fait notre cerveau fonctionne. C'est le temps d'attention et le temps de relâchement. Et lorsque on travaille sur un événement, on doit travailler aussi sur ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est un terme psychologique qui explique très simplement que on est construit au temps de notre cerveau se construit avec des temps de relâchement et des temps forts pour construire le message. Je viens de marquer une pause de 3-4 secondes et votre attention tout de suite s'est recentrée. C'est un temps de relâchement pour construire la relation. Il y a des temps de relâchement qui sont aussi beaucoup plus intéressants, beaucoup plus constructifs. Ça peut être un film, ça peut être quelque chose qui construit une arythmie, une présence pendant un événement qui n'était pas prévu, etc., etc. Il y a des temps forts pour construire le message. Donc lors d'événements, et y compris sur le web, y compris sur le 2.0, il faut qu'on puisse travailler avec à la fois ces temps de relâchement et ces temps forts. Avec une donnée statistique intéressante, c'est que la durée optimale d'une présentation ne doit pas dépasser 18 minutes. Aujourd'hui, on va rester un peu plus longtemps. Donc il y a des gens qui vont décrocher. Parce que tout simplement, au bout de 18 minutes, la moyenne des gens a envie de s'égarer, d'aller ailleurs. C'est pour cette raison qu'on va créer des temps de relâchement et des temps forts. Donc le digital et le 2.0 peut favoriser aussi cette arythmie. Si vous proposez à un public, à un moment, de pouvoir jouer avec un écran, ça peut être un SMS, ça peut être un quiz, ça peut être un vote, ça peut être un tweet live, ça peut être que sais-je encore, eh bien vous allez créer cette relation différente. À ce stade de l'intervention, une fois qu'on a dressé le constat de ce multistacking et puis de ces interfaces qui peuvent nous aider, on va se poser la question, c'est comment en fait le 2.0 peut m'aider dans la relation que je veux construire avec mon public pendant l'événement. On va définir trois phases. Une première phase, c'est l'invitation, c'est la vie avant. Et on va créer une invitation, on va créer des stimuli tout au long de nos timelines, tout au long de la durée de l'événement. Et l'événement se construit dès l'invitation. Alors, comment ? Ça va être des teasers, ça va être des jeux, ça peut être des petites formes de quiz. C'est où va se trouver votre événement, qu'est-ce qui vous intéresse. On peut très bien aussi co-construire l'événement en posant des questions en amont. Et donc, on va avoir une vie avant. On a une vie pendant l'opération. Et pendant l'événement, on doit avoir aussi une narration enrichie. Ça veut dire qu'on doit là aussi pouvoir jouer avec nos publics. Cette narration enrichie va jouer avec l'ensemble de nos interfaces. Troisième phase importante, c'est la vie post-événementielle. Vous allez avoir un public et ce public va pouvoir se connecter en direct ou sur les réseaux sociaux. Et cette communauté-là va avoir besoin d'informations. Les politiques l'utilisent bien lorsqu'il y a un événement politique. À l'issue de cet événement, systématiquement, les sites proposent une synthèse de l'intervention ou proposent de continuer la relation en donnant son avis. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette intervention? Êtes-vous d'accord avec? Il faut aussi pouvoir jouer avec cette relation. Donc les trois phases clés qui structurent notre communauté, c'est se dire que l'événement se construit dès le départ, avant, dans l'invitation, pendant, évidemment, en jouant avec nos interfaces, et puis en post-événementiel, en construisant et en poursuivant la relation. Alors, pour vous, organisateur, lorsque vous avez à créer un événement, à gérer un événement, vous avez besoin de trois conditions. La première, c'est d'abord de maîtriser l'irréputation. C'est-à-dire que si on parle de cette opération événementielle, qu'elle soit une nouvelle fois interne ou externe, ça peut être un salon, vous voyez, eh bien, il faut canaliser. Donc, maîtriser l'irréputation. Il faut aussi casser les codes émetteurs-récepteurs. À un moment,
Vous ne pouvez pas être tout seul à parler. Il faut que l'entreprise, on parle d'entreprise libérée, hein, mais il est vrai, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un ensemble d'émetteurs qui pouvaient traiter l'information, alors qu'auparavant, il y a 10 ans, on avait un émetteur et des récepteurs. Maintenant, vous avez une multitude d'émetteurs. Et puis aussi, il faut accepter le fait que l'intervention que vous avez, auquel vous avez participé ou que vous avez initiée peut aussi vivre ailleurs, qu'on peut parler aussi de votre information. Une nouvelle fois, c'est lorsque une entreprise va lancer un nouveau produit, eh bien, il y aura des personnes dans l'entreprise qui transmettront l'information et qui la distribueront. Donc, il faut accepter le fait qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi dans un événement. Parce que tout de suite, l'information risque évidemment de partir. C'est Renault, lorsqu'il lance une voiture, eh bien, évidemment, tout est prévu pour faire en sorte que l'information qu'il transmette puisse être véhiculée et puisse servir l'ensemble des publics. Ça veut donc dire que votre information, que votre événement, il doit être organisé autour d'un storytelling. Le storytelling, ça vous parle, hein, c'est la façon dont on raconte une histoire sur l'ensemble des interfaces médias qui sont à la disposition du public. Donc, on a besoin de créer un storytelling événementiel. Et ça se prépare en amont. Trop souvent, on a des briefings, on nous dit, ben là, je veux réunir 200 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, ça arrive. Et puis, voilà ce qu'on va dire pendant l'événement. Mais avant, qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on raconte? Comment le public va pouvoir être intéressé? Comment il va pouvoir réagir? Quelle est finalement l'histoire qu'on raconte? Et l'histoire, elle n'est pas à l'instant T, on l'a vu, elle est avant, pendant et après. C'est le storytelling. Et sur un petit écran sur Facebook ou sur un énorme écran qui fait 20 mètres de base, si l'événement est important, on ne racontera pas la même histoire. Donc on n'aura pas la même information. Donc il ne s'agit pas simplement de prendre une captation puis de la mettre sur l'Internet. Il faut peut-être aussi créer une relation différente. Donc on a vu à l'instant qu'il y avait des publics émetteurs. Donc il y a une médiation numérique. Il y a les publics visiteurs et puis il y a l'événement. Et l'ensemble de cet environnement crée des publics. Il y a l'organisateur, puis il y a les autres. Et puis il y a vous, invités, co-organisateurs, partenaires. Il y a des espaces. Et l'espace, c'est à la fois évidemment l'Internet, classique en fait, hein, si je puis dire, l'Internet mobile avec les contenus, les services échangés, et puis le physique, avec sur site la démultiplication des personnes. Ce sont des espaces de médiation. Et l'autre item important, c'est qu'il y a des espaces différents et il y a des temps différents. Et on l'a vu pendant, avant et après. Et ces temps de médiation ont une fonction qui est différente à chaque fois. Alors, je vais assez vite, hein, puisqu'on a très peu de temps. Mais l'idée, c'est évidemment pendant, c'est d'aider, d'accompagner, de personnaliser la relation. Il y a des outils pour, hein, le RFID par exemple, les puces RFID permettent de tracer des personnes et de dire, toi tu as visité tel espace de salon, tel espace d'événement et ton parcours a été celui-ci. Est-ce que tu veux en savoir plus sur, les airbags, si tu t'intéresses aux voitures, que tu as visité un salon avec la nouvelle Renault pour poursuivre la métaphore, pourquoi pas. Avant on informe, on incite et puis après on collecte, hein, et puis on fidélise parce que l'ensemble des data que vous allez réunir sont des publics qui s'intéressent à l'évidence et qui auront besoin d'une information complémentaire. Il nous reste 5 minutes pour définir les bonnes pratiques. Alors, bon, les bonnes pratiques, elles sont assez simples en fait, hein. On en a parlé. C'est de définir une ligne éditoriale. C'est le storytelling, une ligne éditoriale adaptée à l'ensemble de ces médias. C'est d'utiliser des outils qui sont adaptés à nos différents publics. C'est de proposer un contenu aussi enrichi pour pouvoir jouer avec ce qu'on a appelé tout à l'heure, ce qu'on a vu rapidement, le multitasking. Pardon. Il faut aussi pouvoir remercier vos publics. Il faut aussi que vos publics, on lui dise, finalement, ta parole a de la valeur, ta présence a de la valeur, et je te remercie, je vous remercie d'être présent. Et votre présence a enrichi notre information et notre contenu. Parce qu'on est une seule et même communauté. Il n'y a pas un récepteur et des émetteurs, mais il y a un ensemble d'émetteurs pour une même information. Puis après, c'est mesurer l'efficacité. Donc la ligne éditoriale, on doit trouver ses publics, évidemment, des publics fiables. Quand c'est un événement interne, on les connaît. Mais combien d'événements internes, on se rend compte, en général, il y a ce qu'on appelle les no-shows, 10% de no-shows, de personnes qui ne viennent pas, qui sont inscrits, qui ne viennent pas. Alors parfois, c'est pour des bonnes raisons, mais parfois aussi, c'est parce que simplement, ils ont eu un manque d'informations.
finalement, si ce n'est pas intéressant, je ne vais pas y aller. Et puis, éventuellement, acheter une visibilité pour un événement externe. On peut acheter une visibilité sur Facebook. On a réalisé l'année dernière un événement. Il y avait 1500 personnes invitées. Et sur Facebook, il y a eu 2500 contacts. Et ces gens-là ont participé aussi à l'opération événementielle. Proposer un contenu perceptible. Quelle est ma promesse? Qu'est-ce que, finalement, je veux présenter? Je vais prendre un exemple très concret tout à l'heure. Les terrenales. Eh bien, les terrenales, c'est un événement assez important dans le monde agricole. Eh bien, la promesse était de dire... Ici, vous verrez l'agriculture de demain. C'est notre promesse. Vous allez avoir une expérience qui fait que vous allez vous projeter dans le temps. Alors évidemment, c'est un risque, mais ce risque-là, en tous les cas, vous allez le vivre. On en a parlé tout à l'heure, développer une timeline, hein, avant, pendant, après, qu'est-ce qui se raconte, hein, quel est l'ensemble de notre contenu et comment il va vivre. Deuxième axe, c'est utiliser les outils adaptés. Donc, l'ensemble des supports, hein, on en a parlé, du web, de l'emailing, du Pinterest, du Facebook, en fonction des publics. Et les digital natives vont jouer avec tous ces supports. Des personnes qui sont plutôt en fin de carrière vont peut-être plus simplement traiter du SMS, peut-être. Donc, il faut aussi adapter ces supports en fonction de vos clients. Et puis, c'est aussi, évidemment, utiliser des plateformes. Il y a des intervenants sur les plateformes digitales que vous connaissez, on en parle beaucoup, Uber est une plateforme digitale. Eh bien, il y a des personnes qui traitent Evenium, Amnodio, Teamreza, sont des exemples de plateformes qui permettent de dire anywhere, anytime, any device. C'est évidemment à tout moment, je peux transmettre de l'information et je peux enrichir mon contenu. Et cette plateforme-là, elle va pouvoir après véhiculer votre information et votre contenu. Et sans contrainte. C'est-à-dire facilement. En trois clics, je veux avoir l'information. Comme le web. On utilise des principes simples. On peut aussi personnaliser la relation, on en a parlé un instant. Les puces RFID permettent, lors d'événements, de tracer le public. Alors après, c'est bien, c'est pas bien, mais en tous les cas, ça permet de comprendre notre relation. On en a parlé tout à l'heure, hein, le contenu enrichi, hein, le live tweet, pour pouvoir partager en live l'information, le talk, hein, pour poursuivre la relation. Au sein d'OPA, on propose un produit assez simple. Lorsqu'il y a un événement, on met un petit studio à côté, et puis les intervenants, on les fait venir, et ils complètent l'information qu'ils ont distribuée en direct pendant l'événement. Et ces personnes-là, parce qu'ils ont des choses intéressantes à dire, sur des petites capsules d'une 30 à 2 minutes, hein, complètent le dispositif de contenu. Et après, on le distribue sur Internet. Et ça marche très bien. Pourquoi ? Parce qu'ils donnent un contenu complémentaire, en fait. Et on optimise, évidemment, leur intervention et leur présence. Puis les plateformes, on en a parlé. Et puis remercier, tout simplement, parce que la parole a de la valeur. Hein, c'est un point essentiel. Hein. Vos publics ont des choses intéressantes à dire. Et vous, qu'est-ce que vous avez retenu, finalement? Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez retenu? C'est tout bête. Hein. Ça nous permet, effectivement, de poursuivre le lien et la relation. Puis des cadeaux. Des cadeaux. Les cadeaux, ça peut être un rappel personnalisé de la visite, si on a une puce RFID. On n'est pas, ça peut être simplement une synthèse. Mon cadeau, c'est de dire, ce qu'on vous a défini, on va vous le transmettre en trois mots-clés. Voilà ce que vous avez retenu, ce que vous devez retenir de ce lancement de produit, de cette information. Message vidéo identifiant chaque participant. On a fait, il n'y a pas très longtemps, pour un de nos clients, un message vidéo personnalisé. Le président, je te remercie, toi, Sandrine, qui est venue avec moi pour écouter ce plan moyen terme qu'on a développé ensemble. Le lendemain matin, sur sa boîte mail, à 8h du matin. C'est très simple, on enregistre le président, puis derrière, on a un moteur qui fait qu'il y a Sandrine, il y a Paul, il y a Jacques, etc. etc. Voilà. Mais les personnes se sont senties tout à fait touchées. On m'a parlé au cœur, évidemment. Donc ça peut être ça aussi un cadeau. Un cadeau, c'est je parle, évidemment, à chacune des personnes présentes. Et puis mesurer l'efficacité, hein, des objectifs quantitatifs, évidemment. Se dire quels sont mes objectifs quantitatifs, combien de personnes, quels sont mes objectifs qualitatifs aussi, hein, pour, évidemment, transmettre de plus d'implication et d'adhésion. Alors, il y a plein d'outils, hein, Google Analytics, ça peut être XFan sur Facebook, ça peut être le nombre de vues sur YouTube, ça peut être, voilà. Pour les terrenales, l'exemple qu'on va vous présenter tout à l'heure, on s'était dit, nous, à minima, on doit avoir, chaque vidéo doit avoir 1000 vues. Chaque vidéo post-événementielle doit avoir 1000 vues. Voilà, je vais très vite parce qu'on a peu de temps, il nous reste 2-3 minutes pour voir des exemples. Je vais prendre un exemple assez simple, puisqu'il a été achevé au mois de juin, au mois de mai, pardon, 28 et 29 mai. On a travaillé pour
une entreprise qui s'appelle Terrena, et on a réalisé un événement qui s'appelle les Terrenales. Les Terrenales, c'est une invitation en fait à découvrir l'agriculture de demain pour l'ensemble de la population agricole. Bon, en gros, on a un gros champ qui fait 8 hectares, et puis on doit privatiser le champ. Voilà. Bon, ça, c'est la partie purement événementielle. J'ai un champ, faites en sorte qu'il devienne un lieu média. Bon, très bien. Mais à côté de ça, on a enrichi l'expérience et on a traité cette opération en 5 points. En amont d'événements, on a créé une invitation autour d'une interface conviviale et interactive, avec la possibilité que chaque personne puisse programmer son parcours, puisse se dire finalement, la journée que je vais passer ou la demi-journée, voilà quelle expérience je vais pouvoir réaliser. Puis on a créé des teasers aussi, sous forme de web-series. On a créé de la relation constante. Et cette web-series, elle durait très peu de temps, hein. C'était 1 minute 30 chaque vidéo, mais permettait d'aller plus loin dans la relation avec chacune des agriculteurs qui expliquait ce que lui attendait de cette opération. Ces teasers ont été vus plus de 5000 fois, donc ça veut dire qu'il y a déjà 5000 personnes qui, avant l'événement, se sont appropriées l'opération. On a créé un pôle central, qui est un pôle presse, hein, ça s'appelle un pôle TV, et ce pôle TV-là a permis à l'ensemble des internautes de pouvoir découvrir ce qu'étaient les Terrenales. Et puis sur site, de découvrir aussi et de partager une expérience un peu différente. Sur site, on a proposé un enrichissement de l'information avec, c'était des tags, il y avait des QR codes, on pouvait flasher de l'information. Et lorsque je découvrais un drone qui permettait de faire en sorte que ma parcelle elle peut être irriguée au bon moment à tel endroit, je chargeais une vidéo qui montrait comment le drone fonctionnait, par exemple. Donc c'était une expérience complémentaire. Et cette expérience, elle était live, mais elle pouvait aussi être post-événementielle. Puisque la personne avait visité ce stand, il pouvait recevoir un email pour dire « Très bien, vous avez visité ce stand, nous, on vous propose une relation complémentaire. » Et la relation complémentaire, c'est cette vidéo qui vous explique comment ça marche. Parce que le jour J, vous n'avez pas eu le temps. Non, il y a plein de choses à voir. Voilà. Puis en même temps, si vous avez besoin, il y a un conseiller spécifique, contacte un tel. Et là, à chaque fois, évidemment, on personnifie notre relation et on la complète. Je ne sais pas si on a le temps de la montrer, mais je vous enverrai cette présentation pour ceux qui le souhaitent en allant sur notre site, vous pourrez la charger. Il y a un autre exemple qui nous intéresse, puisque là on est passé d'un événement réel à une plateforme digitale. Le briefing il était simple, il était de dire, nous on a un problème chez Bouygues, on n'a pas de mobilité interne. Plutôt que d'avoir une mobilité interne, nos cadres ils vont ailleurs. Ils vont voir d'autres confrères, des concurrents, parce qu'ils pensent que chez nous ce n'est pas possible. Donc expliquons que finalement, on peut aussi bouger en interne et qu'il y a des opportunités pour une employabilité plus forte. Et là, on a créé une interface qui s'appelait Let's Talk et on a créé des rendez-vous. Et on a fait un événement réel, on a fait un événement virtuel. Je vais essayer quand même de vous mettre en lien avec cette interface. S'il nous reste, je ne sais pas, en régie, encore un peu de temps, 3 minutes. Alors, il y a un mot de passe parce que c'est une interface... privative. Voilà. Et on l'a appelé le talk. Et en fait, c'est assez simple. C'est une interface qui permet de réunir en direct des expériences, des parcours. Et on a invité tous les cadres de l'entreprise Bouygues Construction à visionner en direct ces parcours. Ça, et puis évidemment, après, on fait du replay, puisque quand on enregistre après, on peut distribuer l'information. Et là, il y avait des questions avec un chat live. Alors, vous avez évidemment sur le côté la possibilité de poser des questions en direct. Et puis, si on ne sait pas quelles questions poser, il y a des questions qu'on n'ose pas poser, mais qu'on a envie de poser. On avait les questions les plus fréquentes qu'on pouvait poster. Et il y avait une relation directe. Et après l'événement, on pouvait présenter, on pouvait revoir des métiers qui étaient exprimés avec des personnes qui s'exprimaient et qui expliquaient finalement quel était leur job, quel était leur métier. Effectivement, c'est Patrick qui est spécialiste du matériel chez Bouygues Construction et qui dit voilà, c'est vachement intéressant. Moi, avant, j'étais compteur de gestion, maintenant, je fais du matériel. C'est un autre métier, mais ça m'intéresse et j'ai trouvé un intérêt. C'était un rendez-vous à l'instant T pour les salons. Alors, excusez-moi, oui. Dans laquelle il faut collecter, consolider. Ça a été des rendez-vous, en fait. Alors, la question est c'était des rendez-vous à l'instant T. La réponse est oui, à l'instant T. On crée l'information, on crée l'événement virtuel, retrouvez-nous à 13h30, telle journée, et les personnes pouvaient en direct se commuter et puis regarder ce talk avec des questions qui étaient posées sur un temps limité, 20 minutes, 30 minutes la deuxième fois.
On l'a fait 3 fois. On pouvait regarder après en replay. Et cette opération événementielle-là, on a mesuré l'information, on a mesuré le nombre de contacts, hein, et au lieu d'avoir 600 personnes sur un instant T, on a eu 3500 visites. 3500 visites avec des rendez-vous, parce que derrière, sur l'interface, que je ne peux pas vous communiquer parce qu'elle est interne, c'est lié à l'intranet, mais sur l'interface, on pouvait aussi demander un rendez-vous, solliciter un rendez-vous avec un responsable des ressources humaines pour dire, voilà, bah, finalement, cette expérience-là, est-ce que moi, je peux la découvrir et créer comme ça du lien. Donc, on a même mesuré le return on investment sur l'opération. Et on s'est rendu compte que chaque contact sur cette plateforme coûtait 14,8 euros. Tout à fait. C'est une interface. Là, on l'a privatisée. Et cette interface qui s'appelle Let's Talk, qui est un produit qu'on a marketé, fonctionne maintenant au sein de Bouygues Construction pour d'autres opérations événementielles, puisque le moteur a été créé. Donc là, il y a un retour sur investissement important. Donc d'un événement purement physique, en fait, on en a fait un événement virtuel. Mais qui collait à ce public cible, puisque sur cet exemple précis, c'est souvent des gens qui sont à l'extérieur, puisqu'il y a des gens parfois qui sont chefs de chantier et qui sont sur un chantier. Donc évidemment, le site était responsive, donc évidemment, il y avait une interface qui était très simple, etc., etc. Et ça a permis, en fait, de créer une relation directe. Donc ça, vous voyez, jusqu'où on peut aller dans l'événement de zéro, en fait. Ça, c'est un vrai événement. Mais ce n'est pas du tout le briefing du départ. Et quand on leur a présenté ça, ils ont été très étonnés. Ils se sont dit, mais écoutez, non, vous n'êtes pas compris. On veut réunir des gens. On a dit, mais écoutez, d'accord, mais vous allez réunir 600 personnes, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir d'où, etc. Et là, on a créé ça un peu plus. Donc c'est aussi ça, l'événementiel de zéro. Exemple très précis, hein, très... mais qui peut être démultiplié à plein d'opérations, évidemment. Je vais sortir de cette interface. Voilà. Donc le résultat, hein, comme on l'a mis, 3497 personnes touchées, 15 euros du contact, et une plateforme qui existe et qui peut être reprise sur cette opération événementielle. Donc ça, c'est un exemple qui nous fait très concret, très pragmatique, pour montrer que l'événementiel aussi peut jouer avec ces interfaces. Puisqu'on a un public connecté. Donc en synthèse, parce que le temps là nous est compté, on a donc du storytelling, on l'a vu tout à l'heure, on raconte une histoire avant, pendant, après, en utilisant toutes les plateformes. On doit préinformer, on doit motiver le public. Sur l'exemple de Bouygues, Let's Talk, eh bien évidemment, il y a eu plusieurs stimuli. Venez participer au premier événement virtuel, patati patata. On a préinformé, on a fait vivre en impliquant, donnez votre avis. Et puis, on a gardé le contact après, parce qu'évidemment, sur cette opération, si on reprend l'exemple de Bouygues et si on poursuit cette comparaison, eh bien, chaque personne a été tracée et peut aussi facilement reprendre contact. Voilà pour ce premier temps fort des matinales XXL sur l'événementiel de zéro. Je vous en remercie. Alors, il peut y avoir des questions, parce que là, on n'est plus sur Internet, hein.